Bonjour. Voici cette enquête dans ce château construit en 1860, auquel les propriétaires de ce château de Hauts-de-France louent quelques appartements à l'intérieur. Parmi eux, une famille. Une famille avec deux enfants, une fille et un garçon. Depuis 4 ans maintenant, ils entendent des phénomènes tous les soirs. Pour le père, c'est des bruits de pas au-dessus de leur chambre qu'ils entendent et qui les empêchent de dormir. Pour l'enfant, le garçon, c'est simplement une présence qui vient le voir tous les soirs dans sa chambre au bout de ses pieds. De là, leurs filles ont décidé de me communiquer ces premiers phénomènes. Et j'ai décidé d'intervenir dans ce château pour aider cette famille et à comprendre aussi ce que veulent exactement ces entités. Au cours de cette enquête, vous allez voir dès le début les phénomènes avec les détecteurs de mouvement qui s'allument à peine posés. À la Spirit Box, au début, il n'y a pas eu grand-chose. Mais ensuite, la séance de Spirit Box dirigée par Marjorie, ma compagne, des réponses sont faites claires et nettes. Sinon, l'infrarouge. Nous sommes au courant que finalement, c'est bien la dame du couple d'entités qui vient voir ce garçon tous les soirs, pratiquement, le border dans son lit. Bonne enquête à vous et bon film. C'est paranormal. Et voilà. Tout est OK. On s'enregistre. Tu jetteras un œil. Bonsoir. Oui, je parle à vous qui êtes là autour de nous et qui habitez ici depuis très longtemps. Moi, c'est Nicolas. J'ai avec moi du matériel qui nous permet de rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous voudriez rentrer en contact avec nous? N'ayez pas peur. Vous pouvez approcher de moi. Vous voyez, j'ai un matériel. Avec lui, je vais pouvoir vous écouter. Est-ce que vous voulez rentrer en contact avec moi? C'est un monsieur qui est avec moi? Est-ce que c'est un monsieur qui est avec moi? Dites oui, fort et clair, s'il vous plaît. C'est une dame qui est avec moi. Moi, c'est Nicolas. Est-ce que je pourrais savoir votre nom, s'il vous plaît? Votre prénom, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Approchez-vous de moi. Venez prendre de l'énergie ici, sur la boule, si vous voulez. Il y a les lumières que vous avez déjà allumées depuis tout à l'heure. C'est bien une dame alors qui est avec moi? Que je vais m'adresser ce soir, c'est ça? Dites-moi juste oui, s'il vous plaît. Merci.
si vous entendez des choses, vous, moi j'ai du mal. Avec mon oreille gauche, mon oreille droite. Mais... Tous aussi, hein. Est-ce que ça vous dérange que je sois là pour entrer en contact avec vous? Dites-moi juste oui, si vous voulez pas que je reste. S'il vous plaît. D'énergie pour me parler. Est-ce que c'est vous qui avez allumé la lumière dans la salle de bain? Est-ce que c'est vous? Vous ne voulez pas me parler? Vous ne voulez pas me parler, mais vous êtes à côté de nous, vous vous amusez à allumer les lumières. On veut juste vous poser des questions. On ne veut pas vous faire de mal, et il faut que ce soit de votre côté pareil. Faites-moi juste un signe. Vous tapez dans une porte, vous fermez la porte de la salle de bain si vous êtes là à côté de moi, de nous. N'ayez pas peur. Personne ici le soir qui bouge, qui marche, qui se promène dans cette pièce. Est-ce que c'est vous? Dites-moi juste oui, s'il vous plaît. Ah, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui se promène. Alors, est-ce que c'est avec ce monsieur que je vais pouvoir rentrer en contact? Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît? Je répète, si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas. Vous avez une boule là, que vous voyez certainement. Vous pouvez la toucher. Oui. Mais... C'est bien ça. Oui. Oh, ouais. Moi, c'est Nicolas. Est-ce que je pourrais savoir votre nom, s'il vous plaît? Votre prénom? Vous pouvez répéter votre nom, s'il vous plaît? Je ne comprends pas le prénom. Hein? Je ne comprends pas le prénom. Je vais répéter ma question. Est-ce que c'est vous, monsieur, qui vous baladez le soir, ici, dans cette pièce où on est actuellement? Dites-moi juste oui, si c'est vous. Oui, direct. Oui.
que je peux vous poser des questions sans vous embêter, s'il vous plaît? Nous, on voudrait savoir vraiment si vous êtes bien là parmi nous ce soir. Est-ce que vous pourrez m'allumer les lumières comme vous avez fait tout à l'heure de la salle de bain? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez me prouver que vous êtes bien là avec moi ou à côté de moi en allumant la lumière de la salle de bain, s'il vous plaît, ou de la chambre, la lumière de la salle de bain qui se trouve là-bas? Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? On va changer de matériel. Parce que... Il n'est pas... C'est pas du 100% ça. C'est des approximatives en fait. C'est approximative, tout à fait. Ça bug le réseau. Hein? Ça bug le réseau. Il bug? Ouais. Beaucoup? Bah oui, quand même. Et du coup, les gens ils gueulent? Bah ils disent que ça bug pour l'instant, ça va. Mais bon, après, ils peuvent pas dire facilement quand ils entendent quelque chose. Bah non, je sais bien. Excusez-moi, c'est pas moi, c'est les réseaux. Et ils parlent de la 5G, vous avez compris le système. Hein. Donc là, on va faire la Sphérix, la sacrée Sphérix, hein, qui fait beaucoup de bruit. D'accord. Mais par contre, où, voilà. On entend assez clairement. Donc apparemment, il y a un monsieur et une dame. Le monsieur, c'est vous qui marcherez dans cette pièce le soir. Il se balade. Est-ce que c'est chez vous, ici? Est-ce que vous êtes chez vous, ici? Est-ce que vous êtes toujours là, monsieur? Est-ce que vous voulez bien me parler? Est-ce que vous voulez bien rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît? Là, c'est bizarre, j'ai pas de volume, ça. Ça c'est de la radio, hein. Vous allez voir, ça c'est des passages radio. Hein. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, monsieur? Est-ce que vous pouvez me dire oui, fort et clair? Est-ce que vous pouvez me faire voir que vous êtes ici ou entendre par un bruit dans les murs? Vous avez allumé les lumières de la salle de bain. Est-ce que vous pouvez me rallumer, s'il vous plaît? Merci.
Est-ce que vous êtes toujours là, avec moi? Est-ce qu'elle Est-ce que c'est le matériel qui vous fait peur? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je parle au monsieur qui se balade le soir ici, dans la chambre? Est-ce que c'est vous? Dites-moi juste oui. Où est-ce qu'il y a une dame? J'ai cru entendre une dame tout à l'heure. Est-ce que la dame est là? S'il vous plaît. Ou est-ce que c'est parce que on dérange et vous ne voulez pas me parler? C'est con cool parce qu'il s'amuse avec le mari, il s'amuse avec les lumières. Je veux rentrer en contact avec eux. Est-ce que vous voulez rentrer en contact avec moi? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui dérange, ce soir qui est ici, qui dérange? Dites juste oui. C'est la dame qui est avec moi là ou le monsieur? Ou alors est-ce que c'est parce que vous voulez qu'on aille ailleurs, dans une autre pièce? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça dérange qu'on est ici dans la chambre? Je suis accompagné des personnes qui habitent ici, juste en dessous. Est-ce que vous voudriez leur parler? Est-ce que vous voudriez? Où est-ce que vous avez peur du matériel ou de nous?
savons que vous êtes là. Pourquoi vous ne voulez pas nous parler? Avec nous. Qu'est-ce qu'ils entendent là? Ça bug trop pour l'instant. Ah. Je vous laisse et qu'on revienne dans 10 minutes, un quart d'heure pour vous parler. Est-ce que vous voulez ça? Personne qui était à proximité. Ah non, non, il faut l'allumer quoi, là c'était pas possible. Quand l'état d'alarme, sinon il se met en marche, je sais pas pourquoi, ils ont peut-être peur. Peut-être trop de bruit avec la spirit box, tout ça. Bon, pourtant ça c'est des choses qui s'habituent. Non, après ils connaissent pas le matériel, c'est des personnes anciennes. Le K2 aussi, il a fluctué là-bas dans le coin, il a pas fluctué hein, derrière moi, je n'ai pas regardé. Si, si, une fois, il me semble. Il me semble qu'il s'allumait vers orange. Vers le vert. Orange. Vers l'orange. Ouais. Oh. Ça faisait jaune. Là, ça fait un truc. Ça a fait un bout jaune. Je l'ai dit tout de suite. Ouais. Il y a plein de coupures à chaque fois, c'est chaud. Ah, ici, vos côtés, c'est bordé. Ouais, ça coupe, c'est ce que je vois tout à l'heure. Moi, je propose. Madame, viens boire un petit café. Là, vous avez... On va laisser en route le matériel, on va laisser prendre... Il n'y a personne dedans, peut-être qu'il va bouger. Il y a eu un monsieur, là. Oui, et il y a eu une dame aussi, j'ai entendu une voix très très aiguë. Aiguë. Très très aiguë. Mais le monsieur, par contre, une grosse voix. Une grosse voix. Et après, voilà, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas pas de mal. Donc on va laisser comme ça et à la rigueur, à peine le dos, on va retourner. Ouais, parce que on voit que l'enregistreur, il va mettre une galerie face à lui. Oui, oui. Ouais, ça fait que ça te prend. Non, si tu vas dire à la regardez. On s'en va et les deux lumières s'allument. On s'en va et les lumières ils s'allument. Là-bas et là-bas. Les deux. Regardez. On a les partiens.
Voici où nous pouvons voir, à l'instant même, que la boule de plasma change de couleur et devient plus blanche. À savoir que les lignes, normalement, sont oranges. Et là, ils deviennent blanches. C'est que, en fait, une entité doit certainement être à côté de cette boule. Hein? Ah bah c'est bon. Ouais. Ça marche? Ouais, connecté. Aucun... Attends, aucun accès à internet, c'est bizarre. Connecté, aucun accès à internet. Si, connecté, si. C'est bon. Ouais, je te laisse remettre. T'étais en quoi, en réseau? 3G+. Mais pourtant j'étais connecté. Ça m'a marqué connecté. Bon, gars. Ouais, allez. Si. Normalement, c'est bon. Oui. Il recherche. C'est le temps que la Wi-Fi a son. Peut-être. Ouais, c'est bon. Je pense. Voilà, les amis. Normalement, ça va moins... Moins comment? Moins... Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parce que j'ai mis la Wi-Fi à la place... parce que les réseaux dans le château sont difficiles. À l'instant même. Est-ce que vous m'entendez ? Apercevoir le K2 qui fluctue de partout. Mais à ne pas prendre en conséquence, bien sûr. Nous venons de mettre le portable sur la Wi-Fi de la famille. C'est bien. Eh, ça bouge pas mal. Je suis content. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors, je vous explique une chose vite fait. Beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements quand on est en dehors de la pièce. Ici, je vais vous laisser 5 minutes, le temps que je finisse mon café et que je remonte. Là-bas, vous avez un détecteur de mouvement. Ici, vous avez un détecteur de mouvement. Et ici, vous avez la boule de plasma. S'il y a quelque chose qui arrive dessus, ça fera blanc, comme ça. Vous voyez ? On voit pas grand-chose avec ta lumière. Non, ouais. Je ne peux pas l'approcher plus. Non, mais avec ta lampe, on ne voit pas grand-chose. Ah, pardon. Ça fera comme ça. Donc, ils viendront chercher l'énergie ici. Je vous laisse 5 minutes, pas plus. Faites très attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Et après, on entamera la Spirit Box et on essaiera... comment ça s'appelle ? L'application de AVCR Pro.
Donc je compte sur vous pour surveiller les 5 minutes où on ne va pas être là. Là, je vais rejoindre la famille en bas pour le petit café. J'étais venu juste changer les batteries. Et ensuite, action, réaction. Il y a le K2 au bout de la pièce là-bas, il n'arrête pas. Mais on ne peut pas le prendre en conséquence puisque maintenant je suis en Wi-Fi. Donc on ne le prend pas en conséquence. J'arrive. Encore une fois, vous pouvez apercevoir que un des détecteurs de mouvement s'allume. À savoir aussi que ces détecteurs-là, il faut être à 1 mètre, 1 mètre 20 à côté pour qu'ils puissent s'allumer. Et là, à peine le dos retourné, plouf, ça s'allume, comme par magie.
s'est allumé. Bonjour. Ah, regardez. Ah, bah, l'attachement, j'avais sur le mur. Ouais. Ouais. Mais c'est de la peinture. Non ? Là, non. Ouais, là, ouais. Ah, bah, regarde, on la voit pas. Quand elle est claire. Ah, non, c'est, je crois que c'est la lumière de là qui reflète sur l'écran et qui va là-bas. Lumière de quoi ? Ah, c'est. Bon, je pense que là. Ah, regarde, regardez, ça s'allumait. Et là, c'est pas la bonne distance. Et là, je suis pas à distance. Bah, non, non, non. Bah, ici, normalement, ouais. Ouais. Là. C'est juste là. En dessous. Là, ouais, ouais, c'est là. C'est un reflet. Reflet de quoi ? L'écran. Le téléphone. Le téléphone qui est bouge le téléphone plus. On est parti. Ouais. C'est le téléphone. La lumière qui est prêtée sur le téléphone. Sur le téléphone. Bon, par contre, moi, là. Je capte 4G. Là, il y a une orbe ici. Quelque part sur le téléphone. Là-bas, c'est quand même. Mais... Oui, mais ça marche. Là-bas, ça va, ouais. Donc, les amis, nous allons repartir. Avec la Spirit Box, où c'est Marjorie qui va faire une séance de Spirit Box. Donc il y a des mouvements, du mouvement. Hein. Les mouvements, c'est les lumières. Vous avez vu les détecteurs de mouvement. Bon là, peut-être que c'est nous avec l'ombre qui se sont mis en route, je ne sais pas. On va rester rationnel. Premier contact à la Spirit Box tout à l'heure, il y avait un monsieur, apparemment, une grosse voix grave. Qui n'a pas l'air trop... trop réceptif à nous parler, donc on va réessayer une fois et après on réessayera la VCR Pro et en cas où si ça marche, il y aura le jeu de cartes. Le jeu de cartes où on demandera les couleurs et la carte que c'est exactement que l'on tient dans la main. Bon là-bas ça s'est rééteint, alors là si ça s'allume, non c'est pas moi, même pas loin. Voilà les amis. Bonjour. Oui. Tu vas ? Ouais, tu m'en route le matin. Ah ouais. Donc vite fait, on est dans un château de 1600. Dans les construit dans les années 1600. Il y a toujours un propriétaire puisqu'elle existe toujours, elle n'est pas décédée, madame. Et elle est habitée par la famille auquel nous faisons l'enquête ce soir. Voilà. Donc il est en Haute-France. Hein, c'est pas la peine d'envoyer des messages sur le direct pour savoir où c'est. Ben voilà. Donc là, Marjorie, ma compagne, va attaquer la séance de Spirit Box. Marcher. Est-ce que vous pouvez...
pouvez nous dire si c'est bien vous, s'il vous plaît. Oui. Oui. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Moi, c'est Marjorie. Thank you.
Je savais qu'il est plus long. Ça me dit que ça s'allume. Âgé, très âgé, avec une voix grave, même que tout à l'heure. Mais c'est le même homme que tout à l'heure qui nous avait parlé, qui est là, là. Alors à moi, ça serait le monsieur qui marche ici. Mais c'est le monsieur qui marche, parce que c'est en fait qui est ce soir. Lumière blanche. Non, la lumière blanche, c'est la lumière du K2. Rouge, c'est moi avec le laser. Non, mais on a vu le laser. Thank you.
que cet homme habite la maison. Que cet homme habite la maison. Régulièrement. Est-ce qu'elle ne répond pas à la question, la voix grave de la personne? Je me demande si on dérange, si il y a quelqu'un qui dérange. Est-ce qu'on vous dérange? Il y a plus quelqu'un dans la pièce qui vous dérange. Que c'est le matériel qui vous fait peur. Quand nous partons, à chaque fois, vous amusez avec les lumières. C'est le matériel qui vous fait peur. On ne vous veut aucun mal. On voudrait savoir pourquoi vous vous baladez le soir, là, dans la chambre, la pièce où on est. La famille qui habite ici vous entend? Est-ce que c'est vous?
qui fait tomber des livres aussi, ou des objets. Est-ce que c'est vous? Répondez, n'ayez pas peur. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Ou est-ce que vous voulez qu'on reste encore pour que vous rentrez en contact avec nous? Nous savons que vous êtes là. Dites oui fort ou allumez les lumières s'il vous plaît, comme vous avez fait tout à l'heure. Ou est-ce que les gens qui habitent ici vous gênent? Bon, je pense que depuis 4 ans, vous nous aurez fait savoir. Hein. Est-ce qu'il y a du monde là, en ce moment, autour de nous, s'il vous plaît? Répondez, n'ayez pas peur. Oui? Oui? N'ayez pas peur, parlez, s'il vous plaît. On ne vous fera aucun mal, il faut que ce soit aussi de votre côté pareil. Merci. Ou alors faites-nous savoir que vous êtes bien présent en fermant la porte de la salle de bain, par exemple, ou les lumières. On a entendu un nom tout à l'heure, là. C'était Esther. Est-ce qu'il y a un Esther avec nous? On va se retourner encore le dos et blan. Allumez les lumières, je vous parle.
On va rappeler. Ah. Ça fait bien ça. Ah oui, là. On va être vu par 150 personnes. Je me suis dit, t'es colère, c'est bon. 170 personnes. Ouais. 170. Bon. On voit encore, encore que c'est difficile hein, de les faire parler. En tout cas, on est tous témoins. Est-ce qu'ils veulent qu'on monte au-dessus? Est-ce qu'à la rigueur, ça serait bien de changer un peu de pièce? Oui. Ouais. Donc là, on va changer de pièce. Ah, il fait froid là-haut. Ah ouais, donc on va mettre les blousons et puis je vous emmène là-haut du château avec les propriétaires. Et on fera une dernière séance de Spirit Box. Il y a du monde, il y a eu des mouvements, puisque ben, sinon je serais pas là. On serait pas ici en enquête. Le problème, c'est que ben, on est toujours. Hein, y a des esprits, ils aiment bien jouer quand on a le dos tourné, ou alors ils aiment pas non plus le bruit de la Spirit Box, c'est impressionnant. Ben, on va essayer ça. Donc on va aller là-haut. Let's go! Je vais récupérer ma batterie, ouais. Ma petite batterie. Non. Celle-là, donc, je crois, c'est celle qui est. Bah, tiens, je te vacille. C'est celle qui est morte. Pas morte. Bien. Il y a une ligne qui s'allume. Ouais. Ouais. On va bouger, bah, par contre, elle s'allume là-bas. Ouais, en plus, je vais les laisser là. La Spirit Box, on va la laisser. Le K2, on va le laisser. Je vais prendre l'enregistreur, je vais le mettre sur pause. Ça, je vais le laisser là. Hein. Oh. Je vous suis. C'est parti. Boule, tu la montes là aussi? Non, non, ça va être trop lourd. Hein. Tu mets pas trop pour pas faire parler les. Oui, ben, je sais bien. Vas-y, passe. Là, dans la clé. Ouais. Prends-le. Ouais. Ben prends-le. Ouais, c'est normal que ça bug. Hein. Un château, pour avoir la réseau partout dans le château, c'est impossible. Attention de ne pas trop filmer monsieur. Ouais, on va se mettre là. Donc là voilà, on est dans le grenier du château. Enfin une partie parce que c'est immense. Seulement pour le désactiver des feux. Là, il y avait. C'est là-bas que vous aviez. Non. Hein? Je fais attention aux marches. C'est pas lui. Hein? C'est pas lui. Oui, il n'y a pas de danger là. Non. Ah, je suis passé à travers une fois un plafond. Bon, ça va, c'est le matériel qui m'a retenu.
Donc là, nous sommes dans le grenier du château. On va essayer une autre séance de Spirit Box. Hein? Mmh. Allez, si tu veux me prendre le matériel. Merci. Ah, c'est pas la même température. Bon, nous voilà ici, dans le grenier. Ici, je vais me prendre charme. Ouais. Ouais. Oui, oui. Tu me gères. Vous êtes là, la chef du monde, là, avec moi, avec nous. Est-ce que vous pouvez me dire oui? Oui? Vous aurez un charme? Et un Enrique. 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 Vous aurez charme et un Enrique. Est-ce que c'est vous? C'est vous qui êtes là avec moi? En contact avec moi. Vous parlez, je vous entends. Grâce à l'appareil qu'il y a ici, le Spirit Box. Vous avez juste à parler fort et on vous entendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. Il y a une femme avec nous, une dame. Peut-être une dame qui habitait ici avant. Ou un monsieur qui s'appellerait Charles. Est-ce qu'il y a un Charles avec nous? Rentrer en contact avec nous. Est-ce que ça vous dérange comme toi là? Faire de mal, on veut juste rentrer en contact avec vous. N'ayez pas peur. J'attends juste que vous me dites un oui, clair et net, s'il vous plaît. Est-ce que c'est Charles qui a ici ou Henry? Deux. Vous êtes deux? Deux?
deux. J'entends deux. Vous êtes deux ici. C'est Charles et Henrik, c'est ça. N'ayez pas peur. Vous avez juste à parler. Ou alors, si vous voulez vous faire voir, vous pouvez trouver des cartons là-bas, par exemple. Donc, il y a Charles et Henri, et vous êtes deux. Est-ce que c'est ça? Il y a du monde qui dit oui et deux. Et une voix de femme. Une voix de femme. Il y aurait une voix de femme et il serait, bien, il serait deux. Les deux, on l'a entendu faire une lettre. Mais est-ce que c'est Charles qui est avec nous et Henri? Ou est-ce d'autres personnes? Parce que je peux savoir votre prénom. Moi, c'est Nicolas. Et vous, c'est comment? N'ayez pas peur, parlez plus fort s'il vous plaît. Apparemment, il y aurait un homme et une femme. Est-ce que c'est vrai? L'homme, on l'entend depuis le début de la soirée. Il y aurait un couple avec nous, alors, un homme et une femme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous? Oui. Au moins, tu vois pas. Hein? Moi, c'est clair. Là, oui, c'est clair, oui. Est-ce que c'est Charles ou Henri? C'est Charles. Et est-ce que je pourrais savoir le prénom de la dame, s'il vous plaît? Que la dame est là, mais est-ce que je pourrais savoir son prénom, s'il vous plaît? Non. Apparemment, c'est pas lui qui s'appelle Charles. Ça serait Emmerich. 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 Est-ce qu'il y a une personne? Oh, non, c'est clair. Oui, elle prend des photos, elle m'a demandé. J'ai envie de partir. Est-ce qu'il y a une personne qui marche dans la chambre en bas, la nuit? Est-ce que c'est vous, monsieur? Henri. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit la nuit?
Est-ce que je vous dérange? Il y a Marjorie, ma compagne. Elle va vous poser des questions. Est-ce que vous voulez lui répondre, s'il vous plaît? Les réponses, c'est rapide. Hein. Thank you.
Oui. Plus tu dois plus avoir de forfait. Ah. Bah ouais, bah, c'est dans mon. Il est où le portable de l'autre? Ah là là. T'avais pas mis la Wi-Fi? Elle passe plus la Wi-Fi là. Ah. J'étais obligé de couper le. Okay. Oui bah attends. Éteins la télé. Je sais pas comment tu le fais. Merde. Et donc. Oui, donc ouais. On arrive. On arrive. Nous voulons juste savoir combien vous êtes en tout dans ce château. Putain, on aurait dû prévoir pour mettre la mienne. Enlève. Ah. Quel malheur. Tu veux pas faire ceci de l'autre côté? Bah oui. Ouais, on aurait pu le faire avant. C'est pas tout ce que tu as fait. Comme ça, mais bon. Là, il y a pas le choix, c'est pas le choix. Ouais. Il y a pas le choix. 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 Ah ouais. Oui. Après, c'est pas le choix. Il y a 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 pas le choix.
il est en train de... Et là ça répond depuis tout à l'heure. Ah voilà. Faut pas être pressé avec les. Hein. Thank you.
Je vais juste s'asseoir sur moi. Là, il y a pas une réponse. Ils sont plus réceptifs avec toi. Ils aiment bien les femmes, les esprits. Ils répondent plus facilement aux femmes. Je peux te croire qu'il y avait quand même des réponses aussi. Je veux parler. Qu'est-ce que tu as demandé comme question? Après la ligne, comme. Faut pas en parler. Les personnes qui viennent d'arriver sur le live, bon, c'est le château de Haute-Picardie de Haute-France numéro 2, le direct. On était dans une salle où on n'avait pas beaucoup de réponses à la Spirit Box. Et là nous sommes dans le grenier, donc c'est normal qu'il y ait des bugs. Le réseau passe pas. Et il y a beaucoup de réponses à la Spirit Box. Donc le point. Avez-vous d'autres questions à poser? Au moins deux, si vous avez des enfants. Vous avez des enfants, oui. Avez-vous des enfants? S'il vous plaît.
Oui. Oui. C'est eux qui marchent. Oui, c'est eux qui marchent. C'est eux qui marchent en bas. D'accord. Et de quelle année ils sont? J'ai posé la question aussi, mais j'ai eu une réponse, mais je n'en ai pas plus. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont décédés? Je pense que oui. Moi, quand j'avais demandé. J'avais demandé à l'excuse à lui, à la seconde. Où? Ici, quand j'étais venu. Pas grave. Avec l'application, ouais. À la seconde, je vais finir de poser la question. Je n'ai pas d'âme. Ouais. Ouais. Et quand tu meurs, tu sais que tu meurs. Tu sais que tu meurs. Ils veulent qu'on redescende en bas dans la pièce. Prends le matériel. Le bouton en bas à droite, le tout petit en bas à droite. Donne.
Oh, quel calme. Ouais, les amis, ça bug, je sais bien, vous savez. Pas l'appareil là-bas, en face. Là, on redescend dans la pièce d'en bas. Cœur, l'appareil sonore. Cœur, t'as le détecteur de mouvement sonore. Ah ouais, merde. Attends, je vais tenir ça. Ben non, ben vas-y, prends-le. Non, je sais c'est que toi qui. La... Je l'ai pas mis. Non, je l'ai tu vas pas y arriver là. Ben si. Vas-y. Donne. Ouais, mais je vais mis où là, là. Ah, vas-y, dans la pièce là-bas. Ouais, je crois voir savoir où c'est. Il a fait la petite marche. Hop. C'est là. Ouais. Là, je commence à connaître le château. Mais... Ah ouais, désolé pour les bugs. Bon, là ça va plus rebugger, on est redescendu dans la salle. Normalement on se met seul là, oui. Hein. Ouais, c'est bon, assis et mise. Tant qu'à se fermer. Si. Moi j'ai envie de faire pipi, c'est le froid ça. Lui je vais essayer de le mettre là-bas. On va faire un petit froid, non? Oui, quand tu réchauffes. Ça vous dérange pas comme vous voulez? Ah non, 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 bah non. Bah voilà, tu l'as redéclenché. Ah bah là, là c'est sûr. Je sais pas si ça a bien marché avec toi, donc il va falloir que tu le. Là, c'est de là-bas, c'est le numéro 1 de côté. T'as pas vu si le K2, le truc qui fait de la lumière, si c'est activé? Qui fait la lumière? Là-bas, le truc qui fait le point vert. Est-ce que t'as vu si c'était de la couleur? Non. Ne bouge pas, tu veux. Par contre, la lumière, c'est le numéro 2. On va faire une petite pause, non? Un petit café, mais essayer de se réchauffer un peu. Ouais, on va un café. Essayer de se réchauffer un petit peu aussi. Et puis on fera une dernière fois, puis après ouais. Je crois que hein, on fera le bilan de tout ce qu'on t'a eu en réponse. Fin, ouais. Donc je vous relaisse le temps de faire la pause pipi. Tant qu'on descend, il y a 10 km pour aller aux toilettes. Je vous relaisse. On fera la séance Spirit Box de suite après, donc en surveillance. Si ça sonne, c'est pas normal. Il y a le détecteur sonore juste en face, là, les lumières de détecteur de mouvement, une à gauche. Et ben partagez, n'hésitez pas, et on se retrouve dans 10 minutes maximum. Non, mes batteries sont pleines, et moi je vais remonter, ça va être.
Re. Re, re, re. Oui, l'éclipse, c'est moi. Sylvie, je t'ai envoyé un message au nom de Océane. Océane. Vire-moi ce mic là, s'il te plaît. Et parce que je vois beaucoup de messages qui devraient être virés, hein, les modos, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, hein. En fait, il y a un peu moins de lumière. Celle-là, elle est à out. Voilà. Voilà. G, lui. Re. Alors, re, 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 re. La Marjorie va arriver. Salut, salut à vous. Hein. Donc, re, salut à vous tous. Je vais parler à mes modos, s'il vous plaît. N'hésitez pas à bloquer les messages impestifs de certaines personnes. J'ai vu plein de messages bizarres. Hein. Donc hop hop hop, si c'est des rigolos, eh ben, ils vont voir ailleurs. Donc là, Marjorie va remonter avec des membres de la famille. On va refaire une séance de Spirit Box pour clore cette enquête. Nous sommes sur des entités très 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 gentilles, sympas. Là-haut dans le grenier, c'est dommage, il n'y avait pas de réseau, donc du coup vous n'avez pas pu voir. Mais tout ça, vous le verrez parce qu'à côté... Il y a mes caméras qui filment depuis le début, l'infrarouge et la 4K, donc ça vous raterez rien quand je ferai les rushs. Et il y a eu des réponses, donc il y a un couple ici, une dame, un monsieur qui se balade, et c'est eux qui font les bruits le soir de pas dans cette chambre, dans cette pièce. Voilà. Merci à vous d'être présents en tout cas. Donc il y aura la séance Spirit Box, toujours. Hein. Et peut-être la VCR Pro qu'on réessayera aussi. J'attends les autres qui arrivent. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, bon, sur la photo que je vous ai envoyée, visiblement c'est le blanc mur. Ouais, ça bug. Ça bug, mais vous inquiétez pas, bientôt ça va être fini les bugs. Il n'y aura plus de bugs. Oui, Adeline, ça bug. Hein. Comme on dit, quand ça bug, ça bug. Pourtant, on a la 4G, mais c'est mon portable en fait qui. Oui, disparu. Je suis magicien. Ça rebug, oui, bon, il faut. Quand ça bug, ça bug. Hein. C'est pas. On peut passer la soirée à marquer LOL anti-bug S9. Ouais, tout à fait, Proto. Je l'attends, celui-là. Oh là là, j'espère qu'il va arriver vite. Je pensais l'avoir pour cette enquête, mais non. Je m'en doutais un peu.
Ouais, je vais éteindre celui-là. C'est un peu... Celui-là, il éclaire même plus. Oh. Tu fais quoi, là, Charles? Nicolas, t'inquiète. T'inquiète, Mike a pris son biberon, c'est pour ça qu'il est parti au dodo. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Ouais, il y a toujours des gens, hein. Loïc, il s'est passé quelque chose, oui. Des réponses à la Spiribox. Avec les noms, avec... on sait que c'est un couple. On sait que il y avait des enfants, un enfant, je crois. Le 9, proto. Mais moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir avant. Pour un coup, j'ai eu de la chance, mais je ne l'ai pas encore, là. Je vais l'avoir la semaine prochaine, certainement. Donc, Marjorie, si tu peux remonter, ça serait bien. Ouais, ils sont graves, mais il faut pas. C'est pour ça, il faut même pas. Il faut que les modos ils surveillent bien et qu'ils les virent direct. Ils leur laissent juste une chance et puis hop. La deuxième, ça dégage. Un marre d'être embêté comme ça. Marjo, si tu m'attends, je t'attends là. Ça serait bien que tu reviennes. Je m'ennuie. Et les entités vont aller se coucher après. Alors. On va mettre un peu de lumière quand même. Hop. C'est allumé là. Alors regardez, là, ça sert à rien à côté de le matériel, vous voyez. En fait, ça. Vous voyez, y'a pas de soucis. Hein. Même à côté du portable. Donc les K2, ça ne sert à rien dans les domiciles ou dans les maisons. Même quand il n'y a pas de courant, il y a toujours des flux. Ça flue partout. Donc c'est pas à prendre en conséquence. Marjorie, si tu veux monter, c'est bien, ça serait cool. Là-bas, la lumière, c'est le concert. Je suis pas tout seul. Il y a encore du monde avec nous. Ben oui, ouais. Toujours en train de crier. Je t'appelle depuis tout à l'heure. Ça bug, ça bug tellement. Ouais, mais
Il y a une lumière en moins, il y a les batteries commencent à faiblir, ça fait 2 heures. Hein. Donc on va reprendre la séance spiritisme. Spiritisme. Et là, Spirit Box. Donc alors, vite fait le débriefing du grenier, s'il te plaît. Donc au grenier, on avait un contact avec un homme et une femme, donc c'est Emeric et Claire, si je me trompe pas dans les prénoms. Apparemment, ils avaient un enfant aussi. Et après, j'ai eu beaucoup de contacts apparemment et des réponses. On écoutera ensemble sur les PVE. Après, à la fin, donc, on leur a dit donc, de redescendre ici avec nous s'ils voulaient bien. Apparemment, c'est les personnes, ce sont eux qui justement se bougent dans la maison. Et c'est eux qui se manifesteraient en s'asseyant au pied du lit du jeune homme et en faisant tomber des livres en même temps. Donc là, on va essayer de reprendre contact avec eux, savoir si ils sont bien avec nous ici. Donc c'est à peu près aux heures où est-ce que justement les gens qui habitent ici donc, les entendent. Donc on va essayer de voir ça, s'ils sont toujours en contact avec nous ou à moins qu'il y a quelqu'un d'autre. On va bien voir. Donc voilà. À savoir qu'ils étaient plus réceptifs avec Marjorie qu'avec moi. Avec moi apparemment j'ai mis descendre sur la moquette. Désolé. Avec moi, ça n'a pas trop fonctionné, la Spirit Box. Je dois être comme Vivien, je dois avoir des mauvaises ondes. Donc Marjo va continuer. Allez.
la fin de vie. Ah oui. La fin de force. Je me demande si c'est eux qui trouvent le sommeil. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est vous qui trouvez le sommeil du coup que vous avez ici? S'il vous plaît. C'est vous qui vous avez fait. Oui, bien sûr. Ouais. Dans ce cas, je crois que ce que je veux dire, si vous le faites vraiment, un grand merci de votre part. Je serais plus embêté à dormir. Vous nous tiendrez au courant. La voix de, c'est toujours la même voix, t'as vu? Grave. C'est le monsieur. Hein. C'est le monsieur de tout à l'heure. Bon, en tout cas, ils sont très très gentils. Mais il y a la dame, oui. Oui. Gentils, les personnes qui ont... Est-ce qu'ils ont besoin d'une aide? Est-ce que vous avez besoin d'une aide?
ça va bien. Je vais chercher, un autre câble. J'arrive. Est-ce que vous n'arrivez pas de Fred? Je vais chercher un autre câble.
Attends bien qu'ils te répondent avant qu'on arrête. Hein. Hein? Attends bien qu'ils te disent oui. Alors qu'on leur dit bien au revoir. Je vais le re-entendre moi parce que tout est enregistré. Okay. J'ai eu l'impression d'entendre bonne nuit. Alors, ouais, bonne nuit. Et, le monsieur, il a dit qu'il ne vous embêtera pas. Il ne vous embêterait plus normalement pendant votre sommeil. Donc vous nous tiendrez au courant s'ils tiennent leur. Normalement, les entités, ils mentent pas. Normalement, ils mentent pas. Il y a certaines questions qu'ils ne veulent pas nous répondre, mais ça, c'est après, c'est sur le livre, sur le doigt, voit ce qu'ils font. Personne ne répond à ces questions-là. Mais normalement, ils sont plus. Leur promesse, ils ont bien répondu aux questions qu'on a posées. Avec le tenir des engagements. 4 heures d'enregistrement. Il y a beaucoup de. J'ai de quoi faire. Il y a beaucoup de réponses. Oui. C'est très réceptif, quand même. Deux. C'était très réceptif. Après, Marjo, ouais. Après, dans la mesure, c'est vrai que ça les fatigue aussi, même s'ils prennent de l'énergie sur le matériel. Oui, il y a des moments, ça va fonctionner de suite. Mais à chaque fois, je tombe sur des. Je tombe toujours sur des entités assez bizarres, moi, à chaque fois. Et puis là, à chaque fois, avec Marjo, ils sont doux, ils sont gentils, ils sont... Oui, ils prennent bien mon énergie aussi. Oui, bah, il y a la fatigue aussi. Hein. Donc voilà, fin de cette partie du château de Haute-France. C'est un château que vous ne pourrez pas visiter, puisqu'il y a le propriétaire. Hein? C'est habité, voilà. Il n'est pas en vente, comme j'ai vu. Il y en a demandé si c'était à vendre. Ben non. Après, si vous voulez envoyer des dons, il faut voir avec la propriétaire. Hein? Il ne faut pas donner l'adresse. Mais voilà. Donc, vous serez au courant des rushs de l'enregistrement du long de l'enquête. Hein? 4 heures d'enregistrement, des photos et voilà. Je vous remercie d'avoir été présent. Désolé pour les bugs, c'est normal. Hein. Dans les châteaux, ça passe pas partout et voilà. Donc je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Je remercie les modos, Sylvie, Marine et Loco, Coco. Et voilà. Bisous à vous. Ciao. Hop.
Nous, on rentre. On range. Bisous, bisous. Ouais, parfait. Ouais. Terminus. Ouais, ça continue encore. Ouais, avec le décalage. Lui. Hop, putain. Je sais pas, juste arrêter. Tout à l'heure, déjà, il était déjà arrêté. Ah, tout à l'heure, il était tranquille. Hop. Ah, c'est pour ça que quand je m'étais appuyé dessus, j'étais chaud dans mon dos. J'avais pas froid, moi, quand même. Il chauffe que par là. Il chauffe, il arrive. À savoir que j'ai recontacté la famille et depuis maintenant 4 jours, ils dorment parfaitement tous et n'ont plus de soucis de nuit. À bientôt.